Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment réaliser un circuit RC avec une test lab et on va le connecter avec l'oscilloscope donc pour voir le signal du voie numéro 1 et le signal de la voie numéro 2. D'accord? Donc, on a un générateur donc inséré avec une résistance qui est inséré avec une capacité. Donc, on va faire le montage maintenant. Donc voilà notre test lab qu'on va utiliser. Donc on va afficher le signal dans l'oscilloscope et on va délivrer une tension à travers un GBF. D'accord? Donc voilà. Donc la branche positive de mon GBF, je vais le connecter en un point de la ligne rouge. Donc voilà. Et la masse, donc je veux la connecter en un point du fil bleu. D'accord? Donc maintenant, donc tous les points de la ligne rouge, ils sont reliés à 5 volts, d'accord? Et tous les points de la ligne bleue, ils sont reliés à 0 volts, qui est la masse, d'accord? Donc maintenant, si je veux afficher ce signal dans l'oscilloscope, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre la branche, la voie 1 de l'oscilloscope et la connecter avec, en un point du fil rouge, donc. Donc maintenant, je vois mon signal carré qui est affiché dans l'écran. D'accord? Donc maintenant, je vais mettre les composants. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc une résistance. Donc la résistance, je vais la mettre, par exemple ici, en un point ici. Donc voilà la résistance. Et je vais la connecter avec le générateur, avec un fil. Comme ça. Maintenant, je vais prendre ma capacité et la mettre en série avec la résistance. Et je vais fermer le circuit en connectant donc la capacité avec la masse. Voilà. Maintenant, j'ai mon signal carré qui est affiché parce que j'ai connecté la voie numéro 1 avec donc la branche positive du GBF. D'accord? Maintenant, pour afficher le deuxième signal, je vais devoir brancher la voie numéro 2, donc avec le point qui est entre C et la résistance. Donc c'est ce point-là. Et je vais afficher le signal dans l'oscilloscope en le réglant sur le canal numéro 2. Donc voilà. Donc, maintenant vous voyez la charge du condensateur. Je vais afficher les deux en même temps en mettant dual. Voilà mon signal qui est affiché, d'accord? Donc je vais afficher seulement la charge, voilà, seulement le signal du GBF et les deux en même temps.
D'accord. Donc pour revoir le montage, le voilà.